Nous sommes donc de retour de Drape, toujours en ce dimanche 19. C'est les mecs du pont, c'est les mecs du truc qui tombaient. Les voitures qui faisaient une marche arrière sur l'autoroute, des piétons qui partaient à contre-sens en courant, un pont qui venait de s'effondrer. Même, je dirais, quand on a vu les pieds s'effondrer, c'était pas réaliste, c'était impensable. Bon, d'accord, il faut vendre de la formation. Bon, d'accord, je t'adrape, je peux y amener tous les chats à la rivière. C'était possible? Après, un macro sur Rothschild. J'en ai rien à foutre, je suis dans mon impasson. Je suis seul pilote à bord. On ne m'impose pas. À la limite, c'est moi qui impose. Un seigneur, merde. Je perds pas mes yeux, mes dents, mes oreilles pour de la merde. Quoi. Je veux de renonciation. Les pompiers ont annoncé la fin des opérations de sauvetage. Nous en avons fini avec les opérations de secours car nous avons. Oui, alors là. Vous comprenez. Les secouristes ont toutefois indiqué continuer les recherches d'éventuelles victimes non signalées disparues. Nous devrions avoir retrouvé tout le monde, mais nous continuons les recherches parce qu'avec l'effondrement, on ne sait jamais, il peut rester des gens sous les décombres. Peut-être y a-t-il toujours quelqu'un dont nous n'avons pas encore entendu parler. Il faut vendre de l'information, c'est de la télé, tu sais. On a un moyen, il rentre du boulot, bon c'est dimanche. Bon bah il met la télé, qu'est-ce que tu veux qu'il foute? Je veux pas éveiller son esprit. Il veut pas ouvrir son âme. Je veux même pas comprendre que ça existe. Ça s'appelle un sous reptilien, en gros. Peut-être voir si on va bouffer quelque chose, mais même pas faim. Trop de la merde. Heureusement, aujourd'hui, c'était cool. Vous l'avez dit, ils n'ont plus de maison, ils logent dans des hôtels, chez des amis, chez de la famille, et ils essayent de récupérer les affaires qu'ils ont laissées chez eux dans ce quartier qui est bouclé. Ils ne peuvent plus accéder avec leur véhicule, alors ils y vont à pied avec des sacs, récupérer les objets qu'il y a encore dans leur logement. La région a annoncé que 45 appartements seraient libérés. Comment devenir débile mongol dégénéré? Bon, bah, tu regardes BHL TV 24h sur 24. Tu fais cacheton. Là, ce sera vraiment mon goal. On a récupéré ce dont on avait besoin pour le futur. Là, ce sera vraiment à vie. Vraiment où est notre futur. C'était très difficile de rentrer dans notre logement, en sachant qu'on ne pourra plus y revenir. Pas version 3 dimanche. Chez mon fils, chez ma fille. Après les chats, après le chat. On espère vraiment trouver un nouveau logement. Il y a 17 chats, Fifi. Et qu'on nous aide à le faire. On a ramené le maximum de valises possibles pour que les on va couper pour faire une autre séquence. On attend notre con. On n'habite pas en zone rouge. Macron en boîte. Sur Rothschild, s'il te plaît. Je veux juste que la société. Moi, je suis de l'ordre des instituts de sous-merdicus. Le reste, je m'en fiche. C'est juste de la politique. J'en veux pas de ton ordre.